est allé dans une salle et on a appris à dessiner avec la bouche et aussi avec les yeux bandés et aussi sans regarder. Et après, on a dessiné avec les doigts de pied. Si la rédaction est un peu étrange, c'est que les CE2 de l'école Paul Bert sont installés pour une semaine dans un théâtre. Leur salle de classe est reconstituée à côté des salles de répétition du centre culturel André Malraux. Ils partagent leur journée entre les leçons et des ateliers, danse contemporaine, art plastique ou travail sur les sons. Très, très en colère. Nous, en plus, on est des adultes. On n'est même plus des enfants. Alors, des gribouillis, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Ouais, alors on s'est dit, comment on peut faire des gribouillis? Et alors, on a essayé des choses pour essayer de faire des gribouillis, mais sans le savoir. Dans son atelier, Fred, de la compagnie La Mâchoire 36, a décidé de rendre leur lettre de noblesse aux gribouillis. Voilà, vous allez regarder. Ça décloisonne complètement le fait que l'école, c'est dans une classe. C'est un peu comme une classe verte, mais voilà, au lieu que ça soit la nature, c'est... Voilà, c'est le monde de l'art, on va dire. L'objectif, c'était de venir ici et de montrer que ben, cet endroit, finalement, on peut y rentrer facilement, qu'on peut y faire plein d'activités. Et moi, j'espérais que les enfants, en venant ici, eh bien, ça leur apporterait la possibilité de le découvrir et puis de découvrir différents arts. Les enfants, en plus, sont en situation de réussite. On a fabriqué plein de choses, qu'on sait bien s'amuser. Pour comme ça, on apprend plein de choses. Tu penses qu'en s'amusant, on apprend des choses? Oui. Dessiner à l'envers pour prendre son pied, expérimenter de lâcher prise, entrer dans un théâtre pour sortir du cadre. D'une certaine manière, elle leur appartient. C'est la maison de tous les Vendôpériens. Finalement, aujourd'hui, un des plus gros problèmes dans l'accès à la culture, c'est pas forcément d'avoir des équipements. Là, je parle en milieu urbain comme à Vendôme, ce serait pas la même chose à la campagne. Mais c'est pas forcément d'avoir des équipements comme celui-ci. C'est le fait que les gens osent entrer dans cet équipement et se disent que ce qui est fait les concerne, que c'est fait pour eux. Et qu'on sort de ce terrible, cet effroyable, ce n'est pas pour moi ce qu'ils font. Et là, en fait, les enfants se rendent compte dès 8 ans que c'est fait pour eux, que ça les concerne. Toi, t'étais déjà venue dans un théâtre? Jamais. Jamais de ma vie. Moi, j'aime bien, j'ai pas envie de partir à l'école Paul Bert. Un jour, elles décidèrent d'aller voir Slim la Vadrouille, qui, lui, dessinait sur les trottoirs. La compagnie La Mâchoire 36 va créer un spectacle sur les gribouillis en novembre prochain.